Cher petit père et cher petit mam, nous approchons enfin de l'île de Gombessa. J'espère que le vieux poisson qui sait plein de choses extraordinaires pourra m'aider à trouver les dominos. Terre! Terre, en vue, capitaine! Terre, capitaine! Ouvrons l'œil. Plus d'un marin s'est fait prendre au piège sur la barrière de corail. Je vais enfin revoir tonton Tec. GG! Hola, du bateau! Bonjour à tous! Bienvenue! Bonjour à tous! Bonjour! Bonjour à tous! Bonjour à tous! Mais pourquoi nous disent-ils GG? C'est la coutume ici, regardez-moi! Oh. GG! Venez vous baigner, mon capitaine! L'eau est si délicieuse! GG! Oh. C'est que, mademoiselle, je dois amener mes petits compagnons à bon port et, sauf votre respect, je n'ai pas ma tenue de bain. Oh, oh, là, oh, c'est dans le pont. Oh, mais fuyons, fuyons, oh là là. Oh, ouvre le courbouillon, il y a le feu dans le pont et l'eau dans le bateau. Hé, par ici. Je vais vous emmener jusqu'à la plage. Vous y serez en sécurité. Les femmes et les enfants d'abord. Octo et moi, on attendra que la marée remonte pour rejoindre le port. Hein? Pourquoi moi? Pour la manœuvre, Moussaillon. Nous n'aurons pas trop de tes 8 bras. Bon, d'accord. Allez, hop, installez-vous. Ma carapace tient mieux la mer que votre coquille de noix. À tout à l'heure. Soyez prudents. Merci, Marinette. Sans toi, on aurait fini notre voyage à la nage. Ben, il n'y a pas de quoi. Mais il y a pire, vous auriez pu croiser la route du crabouillot. Le crabouillot? Oui, un monstre hideux, un crabe géant qui terrorise le lagon et attaque tous ses habitants pour les avaler. Oh, j'espère que ce monstre ne s'est pas attaqué à Gombessa. Gombessa? Vous cherchez Gombessa? Oui, on veut le voir. Tu sais où il habite? C'est oui. La raison de notre voyage. Enfin, non. Personne n'a jamais rencontré Gombessa. C'est peut-être une légende. Une légende? Mais non, Titam, je suis sûre que tonton Tec pourra nous aider à trouver Gombessa. Viens, mettons-nous en route. Merci, Marinette. Et à bientôt, peut-être. Octo, va me chercher des clous et du bois. Faut réparer les bobos de ma pauvre éponge. Ouais, pourquoi il y va pas, lui? Toujours pour moi les sales corvées. Je devrais trouver ce qu'il faut là-dedans. Alors, patron, quelle surprise! On ne pensait pas vous revoir de si tôt. Barcarin? Lui? Ici? Oui, casse-coco, je reprends les choses en main. Le crabouillot est-il opérationnel? Plus que jamais, patron. On va bien s'amuser. Ah, oui. Je pense même organiser un petit pince-fesse pour la poiscaille. Bon, j'ai dû de rire maintenant. En route, on a affaire. Qu'est-ce que ces épouvantails mijotent encore comme ça le cou? Je dois prévenir le capitaine! Mince, ils vont m'échapper! Tant pis, j'y vais! Nous voici enfin arrivés! Je reconnais la case de tonton! Tanette, ma petite nièce chérie. Tonton! Je suis si content de te voir. Soyez les bienvenus. Et toi, tu es Titom. Oui. Tu es bien courageux. J'espère que le vieux Gombessa m'aidera. Gombessa? Eh bien, bon courage. Ce vieux grigou vit caché au fond du lagon depuis des siècles. Et personne ne sait où le trouver. Si. Il y a bien Maki. Il se vante toujours d'avoir vu Gombessa. Mais je ne sais pas si on peut lui faire confiance. Eh bien, vantard ou pas, il faut que je rencontre ce Maki. Quel plaisir de vous revoir, maître. Merci, ma brave Roussette. Comment se portent nos petites affaires? Notre encre invisible de jeune poulpe est toujours un succès. Mais je n'arrive plus à satisfaire tout le monde.
Je vois. J'ai bien fait de revenir pour vous secouer les puces. Quand le crabouillot aura ratissé le lagon, notre petit commerce va battre des records. Quoi? Le crabouillot? Encore un peu de patience et Gombessa rejoindra ma collection de créatures rares. Lui non plus ne m'échappera pas. Gombessa? C'est pas possible! Il faut que je prévienne Titom! Oh. Justement, maître, j'ai quelque chose d'intéressant à vous montrer. Bonjour, c'est bien vous, Maki? Je cherche Gombessa, le Sélacanthe. Il paraît que vous êtes le seul à savoir où il se cache. Mets-toi sur la liste d'attente et fais-moi plaisir. Débarrasse le plancher, j'ai une sieste à finir. Oh, si c'est comme ça, Fia Titam me trouvera bien Gombessa sans lui. Salut, ma jolie. C'est ton jour de chance aujourd'hui. Tu m'as rencontré. Eh bien, voilà ma case. C'est le plus joli banga de l'île. Il te plaît? Je vais te préparer mon petit cocktail. Coco d'amour. C'est ça, un banga? On dirait plutôt une cabane de jardinier. Quoi? Tu rigoles, c'est un vrai palace. Mais c'est toujours pareil. Aucune copine ne veut jamais venir dans mon banga. Décorant avec un peu plus de goût, je pourrais t'aider si tu veux. Ouais, vraiment, ce serait génial. Et bien sûr, en échange, tu nous guideras jusqu'à Gombessa. D'accord, marché conclu. Alors à demain matin sur le port. Salut. Tu vois les garçons, on sait les mener par le bout du nez. Ouais, mais... Là, quelle histoire, je sais pas où il se cache, moi, Gombessa. Et voilà, maître, la dernière préparation de ma composition. Qu'est-ce que c'est que cette mixture? Attention, maître. C'est du poison. Il ne reste plus qu'un ingrédient ajouté pour qu'il soit prêt. Et voilà. Avec ce poison, tous les habitants du lagon dormiront à point fermé. Et Gombessa n'y coupera pas. Il ne restera plus qu'à se baisser pour les ramasser. Titom, toi... Très bien, Roussette. Si tu dis vrai, je n'aurai plus qu'à souhaiter bonne nuit à tout ce petit monde. Casque-co, tu nous guideras dès demain au repère de cette vieille arête de Gombessa. C'est-à-dire que je ne sais pas vraiment où il se cache, le Gombessa. En fait, il y a ce gars, Maki, c'est son nom. Il m'a promis de me montrer son repère. On ne fait pas attendre le barcarelle. Jamais. Allons voir ce Maki. Et que ça sonne. Je suis le roi des flemmards. Dormir, c'est vraiment trop le panard. Faites pas confiance, je suis trop roublard. Les bobards, pour moi, c'est tout un art. Casse-coco, coco, comment vas-tu? Venez. C'est vous, Maki, mon ami Casse-coco ici présent. M'a dit que vous saviez où trouver Gombessa, le Sélacanthe. À moins qu'il ne s'agisse d'un autre de vos bobards, comme vous le dites si bien dans votre chanson. Ne me faites pas de mal. C'est vrai que je ne suis qu'un sale vantard. Je ne sais pas où il se cache Gombessa, mais qu'est-ce que vous avez tous après lui à la fin? D'abord, il y a ce petit homme, et puis vous. Quoi? Petit homme, ici? Où ça? Où ça? Lâchez-moi! Je dois l'emmener en mer pour trouver Gombessa. Comme tu es doué pour raconter des histoires. Voilà ce que tu vas faire. Allez, dépêchez-vous. Il n'y a pas de temps à perdre. Regardons ça de plus près. Alors... Capitaine! Capitaine! Bonjour, les enfants. Où étiez-vous passé? Capitaine, nous avons une bonne nouvelle. Nous savons où trouver Gombessa et... Capitaine, qu'est-ce que vous faites à votre bateau? Quel bateau?
Il n'y a plus de bateau. Je transforme l'éponge en banga à la mode locale. En banga? GG. Oui, il est temps de poser mon sac de marin. J'ai suffisamment bourlingué comme ça. Mais alors? Mais comment on va faire pour aller au repère de Gombessa? Et Octo, il n'est pas là? Non, je ne l'ai pas vu depuis hier. Sacré paresseux. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Voilà, Maki. Vous êtes prêts? Alors allons-y. Bravo, Maki, je le savais. Allez, montez. Et hop,